Ce grave accident de la circulation s'est produit aux environs de 11h à Bessia sur l'autoroute Fidel Castro. Le minibus immatriculé RH1993 venu de Madina est rentré dans l'arrière d'un camion garé en bordure de route. Le bilan provisoire fourni par des témoins fait état de 3 morts et d'une dizaine de blessés graves. Tierno Hamzata Diallo a vécu la scène. Il a réussi à sortir un enfant vivant du minibus. Lorsque l'accident s'est produit, c'était derrière eux. Il y a une voiture qui voulait dévier. Maintenant, les mapras aussi voulaient éviter ce dernier. Elle est rentrée, elle a rentré derrière le camion. Une fois venu, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de blessés. Et dans ça aussi, j'ai réussi à sauver un enfant qui est actuellement à l'hôpital. Et l'enfant aussi a besoin d'oxygène. Comme ça, on fait des démarches pour qu'on amène l'enfant à Donkaoubeng, à Niassidine. L'enfant est à l'hôpital ici. Mohamed Lamine Silla est ami à Bienvenue, le chauffeur du minibus. Il l'a lui-même conduit à l'hôpital après l'accident. Le jeune homme est sous le choc. Informé du drame, le chef secteur de Bessia, cité 2, s'est rendu sur place. Il demande aux autorités de prendre des dispositions fermes pour empêcher les poids lourds de stationner en bordure de route. Pour ce que moi je vais demander à l'autorité, c'est de prendre les dispositifs pour que les camions ne garent plus au bord de l'autoroute. C'est pas bon, ça cause des accidents mortels comme ceux qui viennent de passer. Cet autre accident qui vient allonger le lourd bilan des accidents de la circulation serait occasionné par un excès de vitesse, nous a confié une source policière hors micro.